Peut-être que je pourrais créer quelque chose à savourer, plutôt qu'à détruire. Nous pourrons en guérir. Si dans la maladie, nous nous cachons,
pourrons en guérir. Oui, de nombreux. Partie de la forêt ont fleuri de nouveau. Elle prospère enfin. Un Sarento ? Bienvenue. Cette tempête est violente, mais les terres avaient besoin de cette pluie. La nourriture me réconforte. Je ne vis que pour la cuisine. Prends ça avec toi. Notre monde a besoin de toi. C'est ici, la maison d'Atufi. Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu es perdu, étranger. Je cherche Atufi. Je suis désolé que tu sois venu de si loin pour rien. Sa'nei m'a dit qu'elle vivait ici. J'ai besoin d'une chamane et Atufi est la meilleure. Notre Tsahik ne voit plus personne. Mokassa l'interdit. Je reste avec elle pour m'assurer qu'elle va bien. J'aimerais simplement lui parler. Mon peuple a besoin de son aide. J'ai vu ta marque. Peut-être fera-t-elle une exception. Et peut-être que tu peux l'aider aussi. Je ferai de mon mieux. Comment je peux faire pour entrer? Elle a érigé cette barrière avec ses champignons. Je ne sais pas comment. Elle dispose de sa propre entrée secrète. Je ne peux pas t'aider, mais je ne t'arrêterai pas non plus. Cette barrière de plantes, comme celle de la volière. Ah, ça y est, je dois trouver les autres.
Je crois que j'ai trouvé. Toufi ? Avance dans la lumière où je pourrai te voir. Oh ! On dit que tu es la meilleure chamane des Kamétiré. Mensonge ! Oui, il fut un temps où soigner me faisait me sentir bien. Et aussi puissante. J'avais le pouvoir du mal. Ses mains en sont la preuve. J'ai fini par créer ceci. Voilà. Je l'ai fait pour soigner, mais ça n'a causé que du mal. Et maintenant, ton peuple gît dans le brouillard. Qu'est-ce que tu as fait ? Mon enfant. Je t'ai tué. Comme les autres. Non. Ceux qui viennent du ciel nous ont tués. Non, c'était moi. Il y a déjà tellement de morts. Donc, je te l'ai dit, c'est bien trop dangereux. Je ne veux pas prendre le risque de soigner d'autres innocents. Mais nos blessés vont mourir si tu ne les aides pas. Alors ils vont mourir. Nor ? Je t'entends. Tu les as trouvés ? Je viens de voir la Tsahik, à Toufi. Ce n'était pas simple. Je t'avais dit qu'ils s'étaient reclus. Il n'y a pas que ça. Quelque chose ne va pas. Elle a l'air perdue. Elle pense avoir tué les Sarentu. Est-ce que c'est possible ? Ça n'a aucun sens. Est-ce qu'elle a dit autre chose ? Qu'elle ne peut pas nous aider. Que nous sommes perdus dans la brume. C'est étrange. Peut-être qu'elle veut cacher quelque chose. Personne ne veut m'aider. Ils ont l'air d'avoir peur. Alma dit qu'on ne peut pas leur faire confiance. Mais les Kamétiré ont toujours été bienveillants. C'est étrange. Il doit y avoir un autre chaman Kamétiré. N'importe qui. Une des gardes à Toufi. Elle m'a déjà aidé. Je vais voir ce qu'elle sait. Pourquoi Atoufi refuse de m'aider ? Je pensais que c'était une soigneuse. Atoufi est troublée. Il lui faut du temps. Mais je n'ai pas le temps. Ceux qui viennent du ciel nous ont attaqués. Beaucoup sont morts, d'autres sont malades. S'il vous plaît, je ne sais pas où aller. Personne ne doit savoir que je t'ai aidé. Mais il y a un autre chaman. Il s'appelle Sioul. Où puis-je le trouver ? L'herboristerie est interdite. Mais Sioul persiste. Pourquoi c'est interdit ? On m'a dit que vous étiez de grands herboristes. Si tu trouves Sioul, il t'expliquera. Je ne peux pas vous aider si personne ne me dit ce qui se passe. Parle à Sioul. Les herboristes se sont établis dans les gorges. Il sera peut-être là-bas, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. C'est tout ce que je peux te dire. Maintenant, va-t'en. Je comprends. Merci. Atoufi aura peut-être besoin de moi aujourd'hui.